Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente les réactions d'après-match. J'ai surtout apprécié la victoire parce que ça faisait quelques temps que nous fuyait cette victoire. Après, la prestation qu'on a offerte ce soir, bon, il y a de bonnes choses forcément. Les 4 buts, puis après, les buts qu'on encaisse, je me rends compte que j'aime toujours pas ça, mais il va falloir m'habituer. Puis après, c'est surtout aujourd'hui l'idée de faire un match d'entraînement pour nous, pouvoir aligner tout l'effectif, parce que tous ceux que j'ai à ma disposition, et puis faire le point. Puis préparer encore donc, le dernier entraînement qu'on a samedi face à Saint-Étienne pour après donc, aborder le championnat. En tout cas, pas dans les meilleures dispositions, mais on va essayer de se préparer pour être prêt quand même. Je pense qu'aujourd'hui, on a mis les bons ingrédients dans ce match. On a mis beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie. On a retrouvé de l'enthousiasme. C'est vrai qu'on a passé une période compliquée. Et c'est vrai que quand la tête, elle veut pas, les jambes ne suivent pas. Et aujourd'hui, avec cette bonne nouvelle de la Ligue 1, on voit qu'on retrouve notre football, qu'on retrouve notre enthousiasme, on retrouve voilà, les vraies valeurs du RC Lens. Il y a deux choses pour moi dans le haut niveau. D'abord, c'est forcément l'engagement, capacité donc à apprécier l'adversaire, empêcher l'adversaire de jouer, et puis après à bien défendre surtout. Parce que je me rends compte que sur les 3 derniers matchs, on avait pris quand même 9 buts. Voilà. Retrouver une assise défensive solide, et puis après beaucoup de concentration. Puis forcément qu'après derrière le jeu, on est toujours un peu mieux. Si on récupère des bons ballons, on est capable de bien se projeter vers l'avant. Et puis surtout, de se créer pas mal de situations. Et puis à l'arrivée, j'espère encore une fois être efficace. Ça fait du bien de gagner. Hein. On est compétiteur et voilà, repartir sur une victoire, ça fait énormément de bien. Et voilà, aujourd'hui on est libéré dans les têtes. Donc on peut se permettre de s'exprimer à 100%.